Bonjour, donc nous allons vous présenter notre projet. Il consiste à transformer une image originale choisie par l'utilisateur en une image composée uniquement d'une seule et unique forme. Donc nous avons ici l'interface de notre projet que nous avons réalisé. Donc elle contient une barre de menu en haut à gauche ainsi qu'un panel permettant à l'utilisateur de faire des choix sur les paramètres du filtre qu'il appliquera à l'image. Donc ici, nous avons une image qui est sélectionnée. Nous allons lancer la transformation. Donc ici, on a choisi le filtre rond. On avait une roue de chargement qui indique que l'image était en cours de transformation. Une fois qu'elle est terminée, une fenêtre met au courant l'utilisateur. Et nous avons un moyen de comparer l'image originale à gauche avec l'image transformée. Et donc, nous avons une vidéo pour représenter plus visuellement comment se passe l'algorithme. Donc là, vous pouvez voir. Donc à droite, nous avons l'image qui est utilisée. Donc à gauche, on va transformer avec notre algorithme l'image. Donc on va utiliser la forme ovale pour reproduire l'image. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer une couleur à une position et on va faire un ovale à la même position de la même couleur et on va répéter l'opération un nombre élevé de fois. Et plus on va avancer dans le traitement de l'image, plus les formes, la taille de ces ronds va diminuer, ce qui va permettre d'ajouter le détail à l'image. Et donc plus on avance, plus on va pouvoir remarquer l'image, jusqu'à qu'on arrive au stade où on décide de s'arrêter. Et donc voilà, on a l'image de départ et l'image qui a été transformée par notre algorithme. Et voilà donc l'algorithme qu'on applique à notre logiciel pour faire nos résultats de rendu. Et donc là, voici, on peut voir à peu près un aperçu du code. Donc le logiciel est fait en Java avec Swing. Et donc, nous avons plein de fichiers Java qui représentent le code, avec les différentes lignes de code que vous pouvez voir ici.